Bon matin, j'espère que vous allez bien. Là, on est vendredi. Puis ça, je viens pas juste d'arriver, mais ça fait peut-être 5 minutes que je suis arrivée, là, il est 8h30. Ouais, ah, c'est fou, hein? Pouvez-vous croire là, qu'à 8h12, je suis en train d'aller chercher mes couches sales en haut, puis tout, puis de me brosser les dents. Puis genre 15 minutes plus tard, je suis ici, puis j'ai déjà, tu sais, je veux dire, la télé est ouverte pour les gars, ils ont choisi leurs affaires, moi j'ai toutes sortes d'affaires pour l'oiseau, puis tout. Parce que je trouve que la vie va vite en tabarouette, là. Fait que, bref, c'est ça. Là, aujourd'hui, ma belle-mère revient. Je sais pas si elle va me texter comme mec qui part, là. Hey, genre, juste faire une parenthèse, là, comment elle fait son compost, là. Elle prend une passoire, puis elle met un sac compostable dedans. Puis à chaque soir, elle va jeter son sac dans le fond, dans son compost. Bon, c'était la minute compost. c'est ça, dans le fond. Ouais, Irène, aujourd'hui, je sais pas, comme je vous dis, si elle va me texter pour me dire qu'ils s'en viennent ou de quoi de même, là. Tu sais, s'ils sont partis ou de quoi de même. Parce que moi, je veux dire, je m'attends à. Tu sais, ils sont partis d'ici, l'autre fois, il était 8 heures, là. Fait que ça m'étonnerait pas qu'ils partent de là-bas à 8 heures non plus, mais en même temps, prendre le temps de déjeuner, packer les affaires, pis tout, là, tu sais. Fait que je sais pas trop à quelle heure ils vont partir, mais. En tout cas. Tu sais, elle dit, on va sûrement se voir à soir, mais tu sais, je sais. Tu sais, moi, je suis pas ici, là, d'habitude. Fait que. Tu sais, mettons qu'à part à genre 10 heures, ben, tu sais, moi, 6 heures, je serais plus là, là, tu sais. À moins que, tu sais, techniquement, elle veuille peut-être que je sois là, là. Rendu là, je pourrais peut-être essayer de m'arranger avec Jay qu'on soupe ici, mais en tout cas. En parlant un petit peu, j'ai rien dégelé. En tout cas. Fait que. C'est ça. Fait que là, ouh! Fait que c'est à soir que ça se passe qu'on revoit ma belle-mère. Ça fait comme une semaine là, tu sais, que je suis seule ici sans parler genre à personne à part mes gars, là, tu sais, ça fait comme vraiment weird là. D'habitude, vous le savez vous-même, là, je passe mes journées ici, genre de 11h à comme 4h. Puis on parle, puis tu sais, on se donne des nouvelles, puis tout, tous les jours. Puis là, ben, en tout cas, tu sais, je suis comme toute seule à vous parler. Au moins, merci d'être là. Ça fait bizarre, mais tu sais, ça fait que si je fais des vlogs de genre 25 minutes, puis c'est à cause de ça, là. Allô, mon amour? Tu veux pas écouter la télé avec ton frère? Non. Fait que, bref, c'est ça. Donc là, je suis en train de tout préparer les trucs pour l'oiseau. Il me reste 3, 4, ben 2, 3 petites choses à faire. Il faut que je coupe un œuf. Mais là, je donne comme un reste là, que ma belle-mère avait fait. Fait qu'il y en a comme moins que d'habitude. Fait que je pense que je vais lui donner un œuf au complet. Ben quoi qu'il y a moins de carottes, ouais, je sais pas. Fait qu'il me reste à couper un œuf, couper un orange. Puis après, il faut que j'aille changer ses pipi pads, là. Parce que pour elle, je trouve ça tellement brillant là, que ma belle-mère elle avait fait ça, là. Qu'elle ait genre. Qu'elle ait mis un pipi pad là, dans le fond, puis à terre, c'est tellement plus nice de même, là. Tellement plus simple à ramasser. Fait que c'est ça. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Pas tout de suite, attends. Ah, oui, oui, t'as une heure, parce que je vais en coucher ton frère après. Aujourd'hui, on se met en mode de ménage du sol et tout. Ben, tu sais, si c'est pas récipé, là, mais que j'enlève mes couches à la table, il n'y aura plus rien à faire, là, mais en tout cas. Ah, Pichou, t'es malade, Charlotte? Fait que je pense que je vais lui donner la grosse partie de l'orange aujourd'hui, vu que ma belle-mère va être là ce soir. Ouais. Bon, fait que c'est réglé tous. Bon, fait que. Jackson, laissez mes souliers. Donc, moi là-dessus, je vais vous souhaiter une belle journée. Puis nous, on va se reparler plus tard. Bye! Salut, il est rendu 10h20. Puis là, je m'en allais dans la chambre des filles pour aller refaire le lit que Zach a défait. Ouais, parce que là, lui, il voulait un drap, fait que. Il a tout décrissé, genre. Ouais, fait que là, faut que je fasse ça. Puis ramasser des jouets que Zach a laissé traîner aussi. Ça gosse, mais j'ai pas le choix de le faire, mais je trouve ça plate parce que, mon dieu. Parce que, ouais, ça c'est comme zéro mouille qui a fait ça, mais bon. C'est pas la fin du monde non plus. Fait que là, c'est ça, je fais ça. J'ai parti ma première brassée de couches, faut que j'aille voir même bientôt si elle est finie. Puis il faut que. Puis j'ai tout changé le truc à Charlotte, là, je viens juste de changer comme les pipi pads, puis tout, je l'avais pas fait encore. Fait que c'est ça. Puis là, Jackson est couché. Je l'ai couché à 9h30. 9h25, genre. Ouais. Fait que là,
je fais ça. Il y a toutes des fêtes, là, en tout cas. Donc là, je me lance là-dedans, puis on va s'en parler tantôt. Il est rendu 11h10, j'avais oublié ma caméra dans la chambre des filles. Puis là, j'ai parlé à ma belle-mère. Elle m'a texté, genre, de la maman. Puis, ils sont même pas repartis du lac Saint-Jean. Fait que j'ai pas trop de stress à avoir, là. Tu sais, moi, je me pressais dans le temps comme une bonne, là. Finalement, j'ai zéro besoin de me stresser parce que, genre, ils sont même pas partis encore. Il est comme 11h, ben c'est ça, j'ai dit 11h10. Puis c'est comme 7-8h de chemin, tu sais. Fait qu'ils sont pas arrivés, là. Ouais. Fait que je me suis comme pressée pour rien, mais attends, en même temps, il arrive pas avant encore comme. Il arrive même pas arrivé encore avant au moins 4-5 heures, là. Mais quand même. Fait que. La seule chose que je vais faire, c'est que moi, avant de partir, je vais tout faire comme d'habitude. Mais il y en a, regarde! Je vais tout faire comme d'habitude, puis mon beau-frère va passer par le garage, genre, vu qu'il y a le code. Fait que c'est ça. Ouais. Là, je suis en train d'écouter À tous les garçons que j'ai aimés, qui est un film sur Netflix. Pis hier, j'ai écouté Kissing Booth, là, je sais pas si je l'ai dit, c'était tellement bon! Fait que, c'est ça. Fait que vous êtes en train de jouer au Xbox en haut. Pis, c'est pas mal ça. Ouais. T'es embarqué? Ah non. J'ai aussi fait une micro-sieste. Ah non, 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 ça. Ah non, non, non. Qu'est-ce que fait? Bonjour! Regardez! Bonjour! Fait que, à tantôt! Il est rendu midi 20, tout le monde a dîné. Justement, je m'en vais chercher Jackson dans sa chaise haute. Allô, madame? Parce que, c'est ça, tout le monde a fini de manger. Puis, c'est ça, là, je vais attendre peut-être vers 1h. Je vais essayer de recoucher Jackson vu qu'il a comme zéro dormi tantôt. Et bien, un petit peu, là. Mais vraiment pas grand-chose. Fait que, c'est ça, je vais essayer d'aller le recoucher. Puis, allô, mon amoureux! Oui, tu es débarqué? Ouais, puis il faut que j'aille voir en bas bientôt si ma brassée est finie pour que je puisse mettre ma brassée dans sécheuse. Des bouillons! 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 Fait que là, je vais aller filmer mon film, mais j'ai juste 20 minutes à écouter. Puis, j'arrête pas de l'arrêter plus tantôt. Fait qu'on va se parler plus tard. Salut, il est rendu 1h et quelques. 1h15. J'ai allé mettre mes couches en sécheuse. Même si ça fait un bout, là, qu'ils sont ma brassée finie, là. J'aurais aimé ça aller partir avant. Pour pouvoir plier mes couches pendant que Jackson dort. Mais j'aurais clairement pas le temps. Mais c'est pas grave, je les emmène chez nous ce soir, puis je vais les plier chez nous. C'est vraiment pas grave. C'est ça, fait que là, j'étais en train d'écouter un autre film. J'ai mis L'Homme Parfait. C'est un vieux film avec Hilary Duff, mais en tout cas, à date, ça a l'air plate, là. Mais en tout cas, je vais l'écouter au complet quand même. Mais il va falloir que je le coupe en deux. Je vais attendre après, comme d'habitude, une demi-heure avant le temps que Jackson s'endorme. Puis là, je vais me lancer à mon ménage. Faut que je fasse plein de petits trucs, là, qu'il faut que je ramasse, puis que faut que je fasse la balayeuse partout, puis tout, puis tout, puis tout. Fait que c'est ça. Puis là, j'ai demandé à ma belle-mère, genre, si elle voulait que je reste jusqu'à temps que mon beau-frère arrive. Puis là, elle a dit, ah, tu sais, il va juste arriver comme en soirée. J'étais genre, ouais, mais là, c'est parce que si toi non plus, à 11h, t'étais pas encore partie, toi aussi, tu vas arriver en soirée, tu sais. Puis en plus, elle a des commissions à faire, puis tout. Fait qu'elle a dit, oh, mais au pire, il connaît le code du garage. Fait que, je sais pas, je l'ai dit, en tout cas. Fait que, vu qu'il connaît le code du garage, je vais juste m'en aller, là. Puis, c'est ça. Même à ça, pour être bien franche avec vous, je ne viendrai, genre, on viendra pas vraiment en fin de semaine. Moi pis Jérémy, on a décidé ça. Peut-être que finalement, on va passer par-dessus tout ça, puis on va venir. Dans le fond, parce que, je vous l'ai dit, là, que mon beau-frère venait avec des amis, ok? Mais, c'est parce que ses amis, c'est pas des bonnes personnes en général, ok? Genre, même mon beau-frère est prêt à dire que, tu sais, même lui, il dit qu'il n'y a pas des bons amis, là, juste vous dire, là. Mais c'est ça. Puis, tu sais, nous autres, dans le but, c'est qu'on voit lui, pas ses amis. Genre, fait qu'on va peut-être venir comme 1 heure ou 2 par jour, max. Puis, on va s'en aller. D'habitude, on aurait passé comme de 10 heures. Tu sais, on aurait fait faire la sieste à Jackson pour se rendre direct après, mettons, fait que vers
faisait 11h jusqu'aux 8-9h le soir, là, tu sais. Mais ça ne sera pas ça en fin de semaine. Puis comme j'ai dit à Jay, j'ai dit, moi, je m'en fous, là, ta mère, je la vois tous les jours dans la semaine. Fait que je vais avoir la chance de la revoir, avoir la chance de revoir les gars aussi, pis tout. Fait que, en tout cas, moi, je me donne pas trop de peine avec lui, là, parce que... Il serait venu tout seul avec sa blonde, comme je vous dis, j'aurais passé toute la fin de semaine avec eux autres, là, mais voir ses amis, c'est... C'est ça. Genre, je n'ai techniquement rien contre le monde qui fume la drogue, t'as bien le droit de faire ce que tu veux. Mais son next level, là, tu sais, fait que s'il y en a d'entre vous qui fument, comme j'ai dit, pour la cigarette, vous avez le droit de le faire tant que c'est respectueux. Eux, c'est pas respectueux pour deux scènes. Pis c'est une bande de gars de même qui ont pas de plan devant eux, pis que, tu sais, whatever, là, genre, que c'est... En tout cas, bref, du monde que j'aime pas. Je les tolère quand ils sont là, mais au point de venir... comme des clients d'un hôtel ici pendant une fin de semaine, puis de se faire nourrir puis loger, ben, en tout cas, c'est pas au point, moi, je peux m'empêcher de voir ma belle-mère pendant une fin de semaine, là. Fait que c'est sûr. Donc là, je vais aller finir mon film, puis nous, on va se reparler tantôt. Salut! Il est rendu 10h. Ça fait un bout qu'on s'est pas parlé, mais dans le fond, je suis partie chez ma belle-mère, il était comme 4h30. Puis c'est ça, là, j'ai tout fait mon ménage que j'avais à faire. Puis en partant, j'ai comme laissé les lumières comme où il y a la porte allumée, puis tout pour que ça ne soit pas pogné tout dans le noir, genre en arrivant. Fait que là, ils doivent être arrivés, là, tout le monde, là, entre le frère Adjé puis ma belle-mère, tout le monde doit être arrivé chez à bon port. Puis c'est pas mal ça. Fait que là, ce soir, j'ai fait tout le ménage de mon rez-de-chaussée, cuisine, salle à manger, salon, entrée. Ça va être une partie du sous-sol. Puis c'est ça, mais j'avais pas demandé. Moi, j'ai juste dit comme, ah, oh, maman, je peux aller faire le ménage du sous-sol. J'étais genre, oui, tu peux y aller certainement. fait que c'est ça. Puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai commandé un sac d'éducation physique à Zach, dans le fond, parce que j'ai vu genre le sac des. Le prix des sacs Louis Garneau, là, genre qu'on avait comme sans doute toute la gang quand on était jeune. Hey, j'ai genre une espèce de grosse bosse ici. Ouais, ça, qu'on avait comme pas mal toutes quand on était jeune, selon moi. C'est ça, pour l'éducation physique. Puis c'était comme 16$, ok? Puis j'ai trouvé ça super cher. Je sais que Louis Garneau, c'est cher. Mais comme au moment où je suis allée, genre, je voyais pas de sac comme ça de d'autres marques que Louis Garneau. Puis pour vrai, genre, je trouvais ça vraiment cher. Mais là, j'ai pas été ben bright. En fait, c'est que la fille qui a fait mes lingettes lavables, donc les créations de Lison, hier, elle a posté un affaire comme quoi elle faisait des sacs justement d'éducation physique. Je vais juste les... Je vais vous montrer la photo que j'ai vue, là. Oh non! J'accroche mon piton. Comme ça. Fait qu'elle fait comme un sac comme ça, là. C'est vraiment un sac comme d'éducation physique. Puis là, regardez le full beau tissu, genre Mario Bros. En tout cas, fait que je trouvais ça super beau. Fait que là, j'ai demandé combien que ça coûtait, genre, pour en faire un. Fait que là, elle était comme, ah, oh, c'est 24$. Je sais, là, c'est type 24, t'sais, c'est plus cher que le maudit sac Louis Garneau, tu sais. Puis le sac Louis Garneau va sûrement étoffer plus longtemps, puis tout, tu sais. Mais j'en ai parlé avec Jérémy. Puis, on s'est dit, crime, les sacs Louis Garneau, là, je veux pas dire n'importe quoi, mais on est comme sûr à comme 80% qui sont fabriqués en Chine, là, puis que genre, ils valent clairement pas 16$, puis que, ben 17$ dans le fond, puis que tu payes vraiment pour la marque. Fait, on s'est dit qu'on aimait mieux payer un peu plus cher, mais pour un produit qui est québécois, qui est fabriqué au Québec, puis tout. Puis, on en est venu à cette conclusion-là. Puis, tu sais, dans le fond, le sac, là, il était comme 17$ plus les taxes. Il m'aurait coûté comme sûrement 20-21$. Là, je veux pas dire de menterie, mais en tout cas, ça. Puis, moi, mon sac me coûte 24, mais genre, taxes incluses, là, tu sais, genre, il. Tu sais, ben, en fait, il y a juste pas de taxes, là, tu sais. C'est 24$, j'y paye ça en virement Interac, là, tu sais. Fait que, c'est ça. Donc, bref, on aimait mieux faire ça, puis on s'est dit que pour 2$ de plus, ben, on va faire ça, tu sais. Fait que j'ai checké un peu les tissus avec Zach, puis on est venu à la conclusion de un, parce que je tenais beaucoup à ce que ça soit lui qui décide de son tissu.
Puis si ça avait été moi qui l'avais choisi, ça aurait vraiment pas été ça. Mais Zach l'aime beaucoup, puis c'est Jake qui l'a aidé à choisir. Fait que, il a pris ce tissu-là ici. C'est comme toutes des BD de super-héros, là. Fait que Hulk, Spider-Man, ben des Avengers, dans le fond, là. T'as Thor, Iron Man, Spider-Man, Captain America, Thor, pas Thor, mais Iron Man, je sais pas si je l'ai dit. En tout cas, c'est comme tout un, ça, là, un vieux motif de BD, là. Mais genre, moi, celle que je trouvais encore plus belle, c'était celle-là. Comme ça, de Star Wars. Je la trouvais vraiment plus belle, mais en tout cas, c'est Zach qui a choisi. Puis c'est ça, on en avait comme... on en avait comme screenshot une gang, là. Fait qu'il y avait celle-là de Star Wars, celle-là de Mario, celle-là de Star Wars, celle-là qui a choisi. Celle-là, c'est de Histoire de jouets que je trouvais vraiment belle. Puis celle-là des Avengers, je pense que c'est la... Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, elle, dans le fond, c'est que le dedans de son sac, il est comme imperméable. Fait que là, quand elle m'a dit 24, j'étais genre, oh, tu sais, je trouve ça cher, mais j'étais là, stick, si je demande pas imperméable, parce que ça sert à rien, c'est juste pour mettre du linge déduit, tu sais. Fait que là, j'ai dit genre, ah, oh, tu sais, puis mettons que je le veux pas doubler, tu sais, pas imperméable, ça, c'est quoi que tu fais, tu sais. Fait que là, elle a dit, oh, je vais le doubler en coton. J'étais là, ok, good. J'ai dit, oh, pour 24$ quand même, puis elle a dit oui. Elle a dit, tu sais, c'est le prix, c'est pour le temps que ça prend, tu sais, comme. Faire le sac, le fermer, faire le contour, puis remettre les cordes, puis tout. Puis, tu sais, je veux dire, c'est quand même pas très, très compliqué, mais je comprends que ça prend plus longtemps que des lingettes, que les carrés sont déjà coupés, puis qu'elle fait juste faire 4 coutures autour, là, tu sais. Fait que c'est ça. Donc là, elle m'a dit qu'elle allait me confectionner ça en fin de semaine ou maximum lundi. Puis, dans le fond, cette compagnie-là, c'est que tu payes après qu'elle l'ait fait, dans le fond. Fait que, puis, tu sais, au pire, si tu choques, puis tu payes pas, ben elle a fait juste le revendre, là, tu sais. C'est vraiment pas la fin du monde, mais. Quand même, là, tu sais, je trouve ça quand même cool, tu sais, c'est rare que ça fait ça, là, tu sais, que tu payes un coup, que c'est confectionné, qu'elle a pris le temps de le confectionner, tu sais, moi, si c'était mon cas, c'est sûr que je ferais comme, ah, ben, tu sais, faut que tu payes avant, puis je vais le faire après, mais en tout cas, elle marche comme ça, puis je trouve ça vraiment cool, fait que, voilà, puis c'est ça, puis j'ai recommencé à jouer à Tuber, là, je sais plus comment ça s'appelle, le jeu de PewDiePie, mais j'ai perdu ma game que je jouais avant, puis ma game que je jouais avant, j'étais rendue au niveau 36, c'est ça? Ouais, puis là, ben, je suis au niveau genre 10, parce qu'on a recommencé moi PJ, parce que je trouvais pas ça fair que je recommence puis pas lui, genre. Fait que c'est ça, parce que, en tout cas, j'avais pas sauvé ma game sur mon Game Center ou sur mon Facebook, là. Fait que c'est pas mal ça. Ouais, donc là, je vais vous dire à demain. Ouais, je me suis rendu compte quand je levais ma caméra que le son était plus fort, ben c'est parce que mon micro il est en dessous, je pense. Ouais, fait qu'en tout cas, demain, je pense que finalement, on va vraiment passer comme la journée avec ma belle-mère parce que je me suis dit que j'avais pas envie de me priver parce que j'avais pas nécessairement envie de voir du monde. Tu sais, je vais pas là pour eux, je vais là pour ma belle-mère que ça fait une semaine que j'ai pas vu, genre. Puis que tantôt, elle m'a texté, genre, que là, je m'ennuie de toi. J'étais là, oh, moi aussi! Ouais, fait que c'est ça. Donc là, ça fait comme déjà 7 minutes que je vous parle, je suis désolée. Fait que je vais vous dire, peut-être à demain, mais je dirais pas de mentir, ça se peut que ce soit juste ce vlog-là aussi, que je vlog pas samedi dimanche, ce qui est très possible. Bon matin, il est 8h, Jasmine vient de finir de déjeuner. Moi je me suis réveillée, il était 7h. Ouais, j'étais de bonne heure sur le bouton matin, puis Zach était déjà réveillé quand je me suis levée. Puis c'est ça, fait que là, aujourd'hui, quand Jackson va faire sa sieste, je pense, je vais aller avec Zach chercher le reste de ses effets scolaires au Walmart. Puis après ça, je vais essayer d'en revenir le plus possible avant comme la fin de la sieste à Jackson, là, dans le fond. Puis après ça, on va aller chez ma belle-mère. Parce que je sais pas si. Ouais, je l'ai dit hier, là, mais tu sais, genre, je me suis dit, tu sais, moi, ça fait une semaine que j'ai pas vu ma belle-mère, puis tout, elle s'ennuie des gars, puis elle s'ennuie de nous, puis tout. Fait que tu sais, je veux pas la priver parce que, genre. Parce que j'ai pas envie de chiller avec du monde que j'apprécie pas tant, là, tu sais, je sais pas comment dire, là. T'sais, rendu là, il est juste là pour, genre, aujourd'hui, puis demain avant midi, là, pis genre, ça va finir là, là. Mais à ça, tu sais, je leur parlerai pas, là, on a pas le même sujet de conversation, c'est Jay va avoir du fun avec eux autres, moi, puis sa mère, on va, comme, parler de nos affaires, puis tout. Fait que, c'est ça. Donc, là, j'attends que Jay se lève. Parce que sinon, tu sais, c'est soit quand Jackson va aller se coucher ou quand Jay va se lever, genre, que je vais y aller. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai parti une brassée de lavage à Jackson en bas.
parce qu'il n'y avait plus rien à se mettre. Là. Puis aujourd'hui, annonce quand même chaud. Fait que la seule chose, tout ce qui restait de propre, c'était des chandails à manches longues puis des pantalons. Là, fait qu'il aurait crevé de chaud aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait que. Voilà. Puis c'est ça, mon ménage est encore pas pire beau. Là. Il y a juste ça qu'il faut que j'aille mettre au recyclage. Puis les enfants à JC. Puis c'est ça. Puis c'est ma cuisine est encore belle à voir que elle a prêté son verre. Puis mon salon, c'est encore chill. Puis j'ai mis une couverte sur mon divan parce que mon divan, c'est frite, genre. Fait que là, il y a tout le temps, ok, tout le temps. Fait que là, mon salon, là, il est propre, propre. Mais attends, il y a plein de petits bouts de... Il fait juste crier à ma tête. Il y a plein de petits bouts noirs sur mon plancher. Fait que ça fait que mon plancher a de l'air sale, mais c'est juste, tu sais, un coup de balai, puis c'est passé, mais c'est vraiment chiant. Fait que voilà. Donc là, j'attends que ma brosse est finie, je vais mettre ça en sécheuse. Puis c'est pas mal ça pour le moment. Fait que bonne journée! Bon matin, on est déjà dimanche. Hier, j'ai pas vraiment filmé. Ben, pas du tout quasiment. Parce que. En fait, je pense que j'ai pas du tout filmé pantoute. Ah oui, en tout cas. Dans le fond, hier, on est allé acheter des trucs d'école à Zach. Que là, je vais vous présenter à l'instant, justement. Puis, après, on est allé chez ma belle-mère. Puis, en tout cas, Jay est parti avec son frère, sont allés à Ottawa. Puis, tout. Ils sont allés comme dans un petit resto, sont allés dans un centre d'achat pis tout, fait, en tout cas ils ont eu bien du fun. Fait que moi je restais avec Jackson, mes gars, pis ma belle-mère, pis mon beau-père chez eux. Pis c'est ça, pis on a tout ensemble, pis on a fait un feu le soir. Pis c'est ça, hier on est revenu, il était comme 11h30. Pis là ben moi je suis debout naturellement comme à 7h30 encore ce matin. Fait que j'ai pas vraiment beaucoup dormi, mais ça va vraiment bien, je suis pas fatiguée vraiment. Fait que c'est ça, après je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Parce que je m'apprêtais à tout étiqueter pour après ça, tout mettre dans le sac. Puis que ça soit prêt pour l'école. Fait que c'est ça. Fait que là, les seules affaires que j'ai achetées, là, mais en tout, ça m'a coûté comme 80$, là. Mais je vais vous montrer comme juste ce que j'ai acheté aux gens coutus, là, ça m'a coûté 30$, ok? Puis vous allez voir, là, comparé à tout ce que j'avais acheté pour 17, là, c'est fou, ok? Fait que je vous montre ça. Fait que, premièrement, Zach avait besoin d'un souligneur jaune, un rose, puis un vert. Puis je suis tombée sur ce kit-là. Fait que, puis genre, ils ont les mines transparentes, là, c'est vraiment cool. Mais c'est ça. Ouais, c'est mon bol de céréales. Fait que c'est ça, donc là je suis tombée là-dessus. Je me suis dit, c'est tant qu'acheter un kit puis à pas utiliser la moitié des surligneurs qu'il y a dedans, ben j'ai pris ça, puis son petit, je sais pas s'il voulait des gros, mais en tout cas, je me dis un surligneur, c'est un surligneur. Il fallait deux aiguisoirs que quand ils tombent à terre, ils s'ouvrent pas. Fait que j'ai pris là, ceux-là qui se vissent comme ça. Fait que ça, il en fallait deux. J'ai pris un paquet de 24 crayons comme ça, là, c'était comme pointe moyenne. Puis, tu sais, c'est comme écrit pointe très large, très fin. Là. Mais en tout cas, je me dis que c'est bien ça parce que je checkais les autres, c'était très large ou très fin. Fait que ça, c'était comme l'entre-deux. Fait que voilà. Il a fallu que j'achète un kit, genre de. Je sais pas où l'es-tu, c'est ça que je vois avec, là. Mais tu sais, un kit de mathématiques, là, genre, là. Avec des crayons dedans. Avec un compas, un rapporteur d'angle, puis tout. Juste pour avoir une maudite règle de 15 cm. Parce qu'il y a besoin de ça, mais genre. Ben, comme ça, 15 cm. Mais ça se trouve nulle part. Fait que, en tout cas, il fait que je claquais au complet, genre pour 4$ pour une affaire qui vaut genre 10 cents. Mais en tout cas, vous me direz au pire si vous en avez trouvé une ailleurs. Là, ça serait cool là, que je puisse peut-être aller échanger le kit ou je sais pas trop. Puis, la dernière chose, c'est un cartable. Puis, il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'il y avait des cartables comme à moins de 1$ chez. Chez Jean Coutu. Mais là, j'ai décidé d'aller avec un. Cette marque-là, là, c'est comme. C'est des super bons cartables. Moi, ma mère, Mana, elle était tannée d'acheter des cartables à toutes les années. Puis elle m'avait acheté un cartable de même, puis elle n'a jamais eu besoin de m'en racheter un. Fait que, en fond, c'est comme. Tu peux pas l'ouvrir en tirant comme ça. Faut automatiquement, tu pèses là-dessus. Puis faut que tu le fermes comme de même. Puis là, mais à Star, ils ont full une belle pochette en dedans. Moi, j'avais pas ça dans le temps, là. Ils ont comme une belle grosse pochette sur le côté, puis tout pour mettre des documents, puis tout. Fait qu'en tout cas, mais juste genre ça m'a coûté 7$, là, c'est vraiment cher, mais bon. Au moins, tu sais, un cartable, c'est jamais perdu. C'est juste que, tu sais, c'est un 1 pouce. Fait que, tu sais, c'est rare que t'as besoin de 1 pouce dans la vie, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Puis au Walmart, j'ai acheté son linge d'éduc. Parce que Zach a comme juste des shirts, puis tout en jeans. Puis, tu sais, je me disais, c'est que c'est pas confortable. Fait qu'en tout cas, fait que là, il fallait des nouveaux souliers. Puis là, ben, ces souliers. Il allume de même, puis là, genre, tu peux changer le mode.
comme ça. Donc, là, j'ai changé l'autre. Ouais, en tout cas. Mettre une couleur. Mais, tu sais, c'était pas pour ça que je les ai achetés. C'est parce que c'est une semelle qui est pas noire, tu sais, qui fait pas de marque. C'est ça, tu sais, ça vient même avec un chargeur puis tout, tu sais. Puis les souliers m'ont coûté 25$, là, pour vrai. C'est, même sur l'étiquette, c'est écrit 29, mais en tout cas, je les ai payés 25. Puis, dans le fond, c'est parce qu'en même temps, on est allé pour eux, parce qu'ils ont comme du jaune fluo là, sur les lacets puis tout. Puis c'est parce qu'on avait trouvé déjà ce kit d'éduc-là, qui est un chandail comme ça, qui était 5$, là, un chandail de sport, vraiment, attends, Zachael, qui est un chandail de sport comme ça. Ça, c'est jaune fluo, pareil, la même couleur que les lacets. Fait que comme ça, est gris. Allô, Jackson! Puis, on a trouvé avec ça les pantalons qui fitaient avec, qui étaient 12,97, qui sont des pantalons de sport, là, aussi. Fait que comme ça, puis il y a encore du petit jaune fluo sur ses côtés, puis en haut, là, puis dans l'élastique, puis tout. Fait que c'est ça, tous ces petits achats-là m'ont coûté comme 80$. Mais en tout cas, tu sais, je me dis, c'est toutes des affaires qu'il y avait comme besoin, le linge des ducs, là, genre, ça n'a pas fait l'unanimité, là, mais pas loin, là, tu sais, c'était comme... Il y avait une personne qui était fâchée contre ça, puis c'était Jim, tu sais, un rapporteur d'angle. Fait que c'est ça. Mais moi, je me disais, tu sais, au moins, c'est le même linge tout le temps, puis tu chips à l'école, puis il s'arrange avec ses troubles, tu sais, c'est pas... J'ai deux rapporteurs. En tout cas, je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire, là. Non, maman, j'ai trois rapporteurs. Ok, Zach, je parle, s'il te plaît. Puis c'est ça, c'est tout ce qui me restait. Ah, il me reste à acheter des crayons comme à tableau blanc, mais avec une avec pas. Oh, j'arrête pas de dire une éponge, mais avec une efface au bout. Puis mais au Walmart, j'en ai pas trouvé. Au bureau en cours, j'en ai pas trouvé, mais je sais qu'il y en a au Dollarama. Fait que je vais aller faire ça. Là, sûrement tantôt, en allant chez ma belle-mère, je vais aller les chercher. Parce que là, ma belle-mère reprend l'auto ce soir, justement. Fait que. C'est ça. Fait qu'il faut qu'on monte comme chez ma belle-mère à deux autos, là. Puis voilà, parce qu'on a un rendez-vous chez le médecin demain. Fait que là, je vais tout étiqueter ça, je vais déjeuner. Ah, puis oh oui, on a acheté deux paquets d'effaces aussi, parce qu'il m'y manquait. Puis genre, un affaire de même, là, c'était comme 3$, me semble. Non, c'est 2$. Ouais, une et quelque chose, en tout cas, je trouvais ça cher. En tout cas, bref. Donc, c'est ça, bonne journée. Salut, il est rendu 10h05. Puis là, je m'apprêtais à aller bientôt m'habiller, là, pour aller chez ma belle-mère, dans le fond. Oh, là, ma batterie, j'ai plus de batterie. Mais c'est ça. Puis là, Jay est au téléphone dehors. Parce que là, il y a la place à banque pour faire comme que son permanent assurance demain passe pas. Parce que il change de compagnie d'assurance, dans le fond, pour son auto. Parce que là, présentement, comme l'assurance maison et l'assurance auto, 200$. Puis on trouve ça excessivement cher. Genre, la maison, c'est comme. Puis genre l'assurance maison c'est comme 40$. Enfin juste pour vous dire à quel point son assurance auto coûte cher. Viens-tu? Jackson a mangé du yogourt puis il est toute sale. Fait que c'est ça. Hey, salut! Il est 5h moins quart. Et puis là on vient de chez ma belle-mère. On a passé comme la journée là. Mon beau-frère est parti comme super tard. Là. Il est parti comme à 4h15 même. Fait que c'est ça. Mais là, je vais vous montrer mes petits achats parce que là, tantôt, j'étais allée acheter les livres d'école à Zach parce que dans le fond, il fallait que j'achète ses livres de maths. Fait que j'étais allée à une librairie là, qui avait pas loin d'ici. Puis ça dit comme trouver en librairie. Fait que j'espérais qu'il l'aille. Puis il l'avait, fait que c'est ça. Donc là, j'ai acheté les livres. Puis il fallait que j'achète des crayons à tableau blanc que je trouvais pas. Ben, je pense que je l'ai dit ce matin là. Jean Coutu, Walmart, puis Bureau en gros les avait pas, fait que c'est ça, mais je le savais qu'il y en avait chez Dollarama, je le savais, je les avais déjà vus. Fait qu'on a fait chez Dollarama, il en fallait 3, c'est un paquet de 3, ça m'a coûté 1,25$, vraiment nice. Puis en même temps chez Dollarama, j'ai pris une pulpe comme ça à savon, avec des cactus comme ça dessus, puis c'est pour mettre mon liniment dans le fond, ma grosse bouteille comme ça. Parce que ce que je me suis dit, parce que là, genre depuis comme cette semaine, tu sais, même si je suis pas chez moi, j'utilise les lingettes lavables. Puis, tu sais, ça va super bien. Puis, j'ai ma petite bouteille, tu sais, que je vous disais, là, je l'ai achetée, puis elle est déjà comme aux trois quarts vide, là. Donc, c'est ça. Fait que là, je voulais. Tu sais, je me suis dit, je vais laisser là, ma petite bouteille dans mon sac à couche, puis je vais m'acheter une grosse bouteille à pompe. Comme ça, tu sais, elle est quand même grosse, là, tu sais. Quand même pas pire, je sais pas s'il y a le nombre de millilitres en dessous. En tout cas, c'est pas écrit le nombre de millilitres, là, qu'il y a dedans. Mais dans le fond, c'est comme du savon
qui était à l'Aloe Mount qu'il y avait dedans. Puis ça m'a coûté 3$ là, pour ceux que ça peut intéresser. Fait, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le savon, je l'ai mis comme dans une autre bouteille. Puis j'ai gardé cette bouteille-là pour que je vais laisser dans la chambre à Jackson. Puis c'est ça, comme je vous dis, la petite, je vais la laisser comme pour mes déplacements. Fait que j'ai acheté ça. Puis en même temps, à la librairie, dans le fond, j'ai acheté une boîte à laine chez Zap parce que celle qu'il y avait, probablement, c'était des pyjamas qui était comme un triple, tu sais, genre, il tripait ses pyjamas pis tout, pis elle est vraiment petite, là, ok? Genre, il y a rien qui rentre là-dedans. Pour vrai, là, en bas, il y a une place pour mettre le sandwich, pis en haut, je pouvais à peine rentrer comme un jus pis deux collations, là. Elle était vraiment petite. Mais tu sais, c'est sûr qu'elle va nous dépanner pareil, mais j'avais envie d'y acheter une bonne vieille Louis Garneau, parce que, tu sais, moi, j'ai toujours ça, pis tu sais, c'est des belles grosses boîtes à lunch, qu'il y a bien du stock qui rentre dedans. Pis c'est ça, mais c'est cher, des Louis Garneau, là, pour ceux qui ont pas d'enfants. Je vais vous dire que celle-là, elle est en spécial à 28$. Ouais, là, j'ai enlevé l'étiquette, là, mais elle est en spécial à 28$. Puis sinon, à prix régulier, elle est à 35$. Là, puis c'est juste une boîte à lunch, là, qu'on se le dise. Fait que les sacs, j'ose même pas imaginer combien ils coûtent, là. Fait qu'en tout cas, bref, fait que c'est un petit gars qui fait du skate dessus comme ça. Puis les côtés, il y a comme des genres de graffitis, là, puis des skates comme ça. Puis c'est ça que je trouve cool, il y a une pochette... comme élastique en arrière, comme ça, là, c'est comme la liste des faits scolaires qu'il y a ici, là. Parce qu'il faut que j'ai comme des renseignements dessus qu'il faut pas que j'oublie. Puis dans le fond, dedans, comme ça, elle a comme une place pour mettre une bouteille d'eau ou un thermos. Elle a comme une doublure aussi blanche pour pas saler la boîte à lunch. Puis elle vient aussi avec une ganse longue que l'enfant peut comme mettre la boîte à lunch sur son épaule, genre. Mais j'y mettrai pas, là. Mais en tout cas, fait que c'est ça, mais je me suis dit, tu sais, ça fait gars. Ça fait pas bébé, fait qu'il va pouvoir l'avoir au moins pendant encore au moins 3-4 ans, là, j'ose espérer. Fait que voilà. Ouais, fait que j'ai acheté ça. Puis ça faisait bien son bonheur, il était bien content. Fait que c'est ça, donc là, j'étais sur le point de mettre mon liniment dedans. Ah, puis c'est ça, comme j'ai dit, on est allé chez ma belle-mère, là. Puis on est ressorti avec le laptop. Enfin! On est enfin sorti avec le laptop. Ça fait longtemps que j'en ai parlé de ça, là. Parce qu'en fond, on voulait l'emmener. Ça, j'essaie de le nettoyer le fond, de l'essuyer, mais là, c'est comme gros, hein. Ouais, c'est ça. Mais là, elle voulait l'amener, quand elle est partie au lac Saint-Jean, elle voulait l'amener pour mettre un film, genre, aux enfants, pis tout. Puis finalement, ben, elle s'est rendue compte que son laptop a pas de trou pour le CD. Mais il y a vraiment comme une craque. Mais tu peux pas mettre de CD, ça rouvre pas, là, tu sais, en tout cas. Fait que, ce que moi, puis ben en fait, ce que Jérémy et les amis à mon beau-frère ont fait, ils ont passé comme littéralement une heure là-dessus à essayer de trouver comment ça s'ouvrait, tu sais. Parce que d'habitude, t'as comme un... Ok. D'habitude, il y a comme un... Tu sais, un trou soit sur la languette où tu vas comme dans ton... Pas dans ton bureau, mais dans ton PC, puis... Ça fait comme eject, là, tu peux l'ouvrir, genre, mais là, on pouvait pas, ça se faisait pas. Puis il y en a un là-dedans qui est comme calé en informatique, puis il était juste, non, mais c'est parce que tu peux pas, ça s'ouvre pas, c'est tout, là, tu sais, ça s'ouvre pas. Ça leur a pris comme 5 cerveaux de gars, puis une heure avant de réaliser que ça s'ouvrait pas. Mais en tout cas, là, désolée, c'est pas moi qui fais ce bruit-là. Fait que, c'est ça. Tu sais que je comprends pourquoi ils disent qu'il faut brasser du liniment, c'est dégueulasse. Ouais, fait que là, j'ai mon laptop, mais faut comme, faut juste que je transfère des fichiers dans, faut que je transfère des fichiers dans une clé USB, là, dans le fond. Puis c'est ça. Ah, c'est dégueulasse, on dirait de la morve. Ouais, fait que il reste juste à faire ça, je vais faire ça tantôt. Ça, je vais prendre mon laptop, puis genre, c'est un écran tactile, puis tout, là, tu sais, c'est pas un laptop cheapet, là, tu sais. C'est un vrai beau laptop, là, fait que je suis vraiment contente. T'sais, Jay, au début, dit « Oh, je vais faire ça demain, là, j'étais là. Demain, j'étais genre, je voulais faire mon montage à soir là-dessus, tu sais. » T'es comme « Oh, là, tu le feras demain, j'étais genre, non, je vais pas le faire demain. » Hey, crime, on dirait que j'ai tellement l'œil pour ça, là. Wow, c'est hallucinant, je vais vous montrer, là. Je sais essuyer, là. J'ai comme pris une affaire pour mélanger, c'est un peu dégueu. Mais genre, ma bouteille, ben dans le fond, je peux quasiment vous dire il y a combien de millilitres, là. Moi, ma bouteille, c'est une 400 millilitres, puis j'en avais utilisé un tout petit peu, là. J'ai vraiment pas, j'ai utilisé comme 3 fois à même de la bouteille, là. Fait que j'ai utilisé peut-être en tout comme 5 millilitres, là, même pas. Puis genre, mon plat, il est quasiment rempli au complet. Fait que ça, c'est peut-être comme un 500 millilitres, mettons.
Mais en tout cas, je suis vraiment contente. Wow! On dirait que j'ai l'œil, je me suis dit comme, ah, oh, c'est assez gros, ça va rentrer, tu sais. Ouais, fait que là, je vais fermer ça. Je vais le pomper d'avance. Hi! Il faut que je fasse attention, maman. Ok. Bon, fait que voilà, c'est fait. Fait que là, j'ai mon petit liniment qui va être toujours prêt. Vraiment hot. Puis c'est ça, tu sais, comme je vous disais, la fille qui disait qu'il fallait que ça soit dans un récipient opaque puis tout, là. Voilà, c'était le but. Bon, fait que là, moi je pense que je vais vous dire tout de suite bonne nuit parce que ça m'étonnerait que je vous reparle, là. Et on va souper bientôt, puis oh, pas là-dedans. On va souper bientôt, puis après ça, on va prendre le temps qui nous reste, moi puis Jérémy, là, parce que. Hey, mon bouton était long en gros, c'est dégueulasse. Puis, ouais, c'est ça, on va prendre le temps qui nous reste, parce que cette semaine, en fait, on a quand même pas eu une minute pour nous, là. Fait que c'est ça. Donc, je vais vous dire bonne nuit, puis nous, on va se revoir demain. Bye!